Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto que nous allons voir aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle application qui va vous permettre d'afficher du texte en LED. Comme vous pouvez le voir, vous avez cette possibilité-là avec votre téléphone de faire passer des messages en format LED. Vous voyez, c'est super pratique et ça va vous permettre de faire passer le message à un grand nombre de personnes. Donc, si vous avez un grand nombre de personnes devant vous et vous voulez faire passer le message pour que toutes ces personnes puissent voir vos messages, vous pouvez le faire en format LED comme ça s'affiche sur l'écran là. Et c'est une application qui vous permet de faire ça et c'est super génial et ça passe super bien. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Voilà. Comme je le dis, vous aurez besoin d'une application super pratique qui va vous permettre d'afficher du texte en LED. Vous pouvez le voir. Donc, ensemble, nous allons découvrir l'application et je vais vous montrer comment il est possible de télécharger cette application-là. Donc déjà, quand vous allez rentrer dans l'application, voilà, quand vous allez rentrer dans l'application, ça va se présenter comme ça. Voilà, ça va se présenter comme ça. Ici, on va vous demander d'entrer votre texte qui va s'afficher sur votre écran. Donc, je peux mettre astuce, voilà. Je peux mettre astuce, vous voyez. Et ici, vous avez la possibilité de diminuer la taille, vous voyez. Augmenter la taille, diminuer la taille. Donc je mets astuce et je peux faire le positionnement pour que ça défile comme ça. Si le test est long, vous pouvez faire défiler le test. Je peux mettre astuce Android comme ça. Vous voyez, ça fait astuce Android. Vous pouvez le voir. Et vous pouvez repartir en arrière pour faire comme ça, astuce Android. Comme ça, tout le test défile. Et vous pouvez diminuer la taille, augmenter la taille, diminuer la taille. Voilà. Et ici, vous avez cette possibilité-là de régler en fait la vitesse. De régler en fait la vitesse. Quand vous voyez ce petit signal qu'elle a là, qui est marqué ici, c'est plus la vitesse que vous réglez. Donc ici, je peux faire que ça passe lentement. Je peux faire que ça passe rapidement. Voilà. Donc ici, vous avez cette possibilité-là de régler la vitesse de défilage. Et ici, il y a le test. Si vous voulez que ça soit par exemple en rouge, vous allez choisir le rouge. Si vous voulez que ça soit par exemple en bleu, vous allez choisir le bleu. Et ici, il y a la couleur en arrière. Je peux mettre le blanc ici, le blanc en fond, comme ça. Et une fois que c'est fini, je peux faire que ça clignote. Vous voyez que ça clignote. Donc là, vous allez venir sélectionner le blink qui est là. Comme ça, comment dirais-je, le texte que vous avez mis va clignoter. Voilà, va clignoter. Donc une fois que vous avez fini de faire tous ces réglages, vous allez venir appuyer sur Start. Ici, Start. Et vous allez appuyer. Et voilà comment ça va s'afficher. Vous pouvez le voir comment ça s'affiche. Et c'est super pratique pour passer un message à un grand nombre de personnes. Vous voyez, c'est super pratique. Pour faire un retour, vous allez juste appuyer la touche arrière. Pour télécharger cette application, c'est tout simple. Vous allez venir sur Play Store et vous allez écrire LED. LED Scroller, vous allez tomber directement sur l'application qui est ici. Et vous allez télécharger l'application tout simplement. Donc j'espère vraiment que cette application vous plaira. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo à vos amis et abonnez-vous. Ciao, ciao.